RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Allez, je vous laisse réfléchir à cette contrepétrie avant de donner donc la parole à Samira. C'est quand même sérieusement salace les contrepétries, hein, Laurent Baffy, Alain Rey. Je la fais ou pas? Allez, j'y vais. Voilà. Donc, j'essaie de choisir la moins. C'est ici qu'on pendit le fuselage de l'aviatrice. Voilà, donc si vous avez, vous savez de quoi il s'agit ? Vaguement. C'est ici qu'on pendit le fuselage de l'aviatrice. C'est ici qu'on fendit le pucelage de l'aviatrice. Voilà. Elle est mignonne. Elles sont simples. Il y en a des plus compliquées, je pense, hein, mais on va en parler avec vous dans un instant. L'archéologue met en caisse les fouilles de son mari. C'est pas mal aussi, ça. Donc, l'archéologue met en fesse les couilles de son mari. Voilà, j'ai honte. Il est 15h30 sur l'antenne d'RTL. Je ne l'ai pas dit. Samira, bonjour. Mais non, mais je ne sais pas. Écoutez, c'est le jeu en même temps. Ah bah voilà, Samira rigole, donc ça va, ça me rassure. Bonjour Samira, ça va? Je veux te bouffer la chatte. Je vous présente Laurent Baffy. Enchanté. Je veux te bouffer la chatte. Oui, je veux te... D'accord. Toucher. On répond à ça. Voilà, c'est ça. Non. Non, il n'y a pas de contre-pétrie, c'est juste que j'en ai fait. C'est une gymnastique. C'est une gymnastique, en fait. C'est juste un désir passager. Bah, ouais. Pourvu qu'il le reste passager. Parce que... Ça serait une contre-pétrie inverse. Que... Samira, comment allez-vous? Merci d'être avec nous. Bienvenue dans l'effet pour s'entendre. Ça va. Alors, nous, on est allés se balader comme ça sur le net. C'est non, alors. On a trouvé. C'est non, mais vous m'aviez dit qu'elle était passagère. Donc, ça y est, elle est passée maintenant. Non, c'est pas passé encore. Donc, laissez parler les petits papiers. Je veux te rebouffer. De quoi les parents écoutent cette émission. Ben oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Mes enfants peuvent apprécier. J'imagine que votre maman a une chatte aussi. C'est la signature de Laurence. Alors, Samira, parlez-nous des petits papiers. Laissez parler les petits papiers. De quoi s'agit-il? C'est très rigolo. Alors, ça m'a beaucoup amusé. C'est plus simple à comprendre que les contrepétries. Oui, et puis surtout, c'est visuel. Enfin, oui. C'est-à-dire que la plupart des jeux de mots qu'on a l'habitude de faire ou d'entendre, c'est souvent, bah, comme le font de manière très pro les gens qu'on peut entendre sur le plateau, c'est un peu de l'humour raté. Enfin, pas de l'humour raté, il n'y a pas de jeu de mots raté. Mais l'idée, c'était surtout de visuellement pouvoir accéder à des jeux de mots. Et puis surtout, c'était des bêtes de tweets d'un jeu de mots avec une image et un petit papier. Comment ça s'est passé, en fait, au début? Expliquez-nous un peu le principe. Alors, au tout début... c'était un tweet. C'était un tweet que j'ai fait et qui illustrait, donc si je me rappelle, c'était une calculatrice avec donc le AC de la calculatrice et j'étais de mauvaise humeur et du coup j'ai fait un jeu de mots avec le fait que je suis d'une humeur métallique en ACDC avec un petit papier. Et en fait, il se trouve que j'ai des merveilleux followers qui se sont mis à suivre l'idée du jeu de mots avec le petit papier. Et en fait, ça a pris une ampleur assez importante, sans vraiment qu'on le décide. Je dis « on » parce qu'à l'issue d'une journée où on a vu des petits papiers plein de Twitter, on est venu me voir, donc Tumblr, donc c'est un monsieur, sur Twitter qui crée des Tumblr, et qui m'a proposé de rassembler toutes ses œuvres, on va dire. L'idée, c'est de détourner des logos de marque, donc qu'on connaît tous, qui font partie de notre... Avec des petits papiers. Alors, on a par exemple Bétadine, c'est ma cousine. On a Quand t'es nutée la plus belle. On a Crotte de Bic. Très joli. C'est rigolo quand même. C'est mettre de la poésie dans du quotidien. C'est-à-dire que quand vous proposez et que vous invitez ceux qui participent donc à votre blog, Laissez parler les petits papiers, quand vous les invitez à vous poster justement des photos, c'est vrai que vous les invitez à un travail de l'imaginaire. Je trouve que ça émerveille le quotidien. Ça parle à Alain Rey, qui est un bon gars. Et dans Bon Gars, il y a de l'eau, il y a du fruit. Il faut que vous participiez, mais Laurent Baffy. Bien sûr, mais j'adore jouer avec tous les mots. Non, mais c'est génial. Mais jouons. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ça rend plus heureux aussi, Samira? De penser comme ça, de faire ses courses comme ça, de réfléchir comme ça. Bien sûr. Je pense que la créativité apporte quelque chose à l'humain. De toute façon, elle libère de quelque chose. Et comme on disait, il faut savoir oser, pas forcément avoir peur du ridicule. C'est sûr que créer pour créer, je trouve ça en soi, je trouve ça merveilleux. Après, si ça peut être en plus avec des mots, c'est encore mieux. Plus le visuel, vraiment, je trouve ça particulièrement sympa. Et puis il y a quelque chose, comme on disait dans le rire, il y a quelque chose d'authentique. Donc arriver à détourner quelque chose de très commercial dans une société dans laquelle on vit et en faire quelque chose de drôle, le rire, ça fait d'air. Samira, que pensez-vous de la pub pour Dior Homme? C'est laquelle? Celle avec Johnny Depp? Oui, peu importe. Dior Homme.
Vous renversez les lettres, ça fait hémorroïde. Essayez, vous verrez. Vous serez sur le cul. Alors, Alain Rey, quand on écoute Samira qui nous raconte justement cette première idée qu'elle a eue, qui a été reprise, et puis du coup, il y a une communauté qui la suit, et que je disais que ça égaye vraiment le quotidien, ça met de la poésie là où il n'y en a pas forcément quand on regarde les produits de consommation qui nous entourent. Bah, sûrement, c'est à portée de main, en fait, c'est ça aussi. Faire rigoler un supermarché, avec les mots. C'est pas à la portée de tout le monde. Hein, exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'intéresser à la langue française, faire des anagrammes, faire des contrepétries, c'est à la portée de tous en réalité, ouais. Ça ne coûte rien. Oui, et là, on dépasse la langue française, parce qu'en fait, les noms de marques, ça peut être fait avec des syllabes de l'anglais, avec des quantités. En fait, il faut se brancher sur une fréquence ludique qui nous apporte un plus. Exactement. Mais qui vient peut-être de l'enfance aussi. Sûrement, bah oui. Ou qui nous rappelle, en tout cas, cet état d'enfance, Samira. Quand vous collez vos petits papiers, il y a même bah oui, un c'est geste. De la déconstruction. Oui, c'est ça. Vous faites un peu des Lego avec des mots. C'est exactement ça. Oui, complètement. Alors ça s'appelle « Laissez parler les petits papiers ». On met donc les coordonnées pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de participer, on les met sur nos réseaux sociaux. Et puis nous, dès qu'on aura une idée, eh bien effectivement, on ira en poster une. Et Laurent Baffie, vous allez faire Banga bien sûr. Parce qu'elle est super. Je ne pense pas que vous l'ayez déjà eu, Samira. Donc en plus, non, vous aurez Laurent Baffie sur votre site. Donc ça, c'est super. Touche ma bite. Non, ça c'est bon. Ça donne quoi? Là, il a même plus besoin de prétexte. Là. C'est... Ouais, c'est bon. C'est pas un contre-pétrie, c'est un ordre. Et à l'occasion de ça, et sachez que RTL Samira va vous envoyer lèche-moi là, les lucioles. Attends, je parle de cils. Va vous envoyer le CD, donc le nouveau CD de cils, hein, parce que c'est une journée particulière. On vous fait découvrir son nouvel album, et donc vous allez recevoir l'album de cils. Là, paf, je vous l'envoie. Il s'intitule Seven. Arrêtez de rire, Samira. J'essaie moi aussi de garder mon sérieux. Comment voulez-vous ? On vous embrasse. Mais moi aussi, je vous embrasse tous. Merci et on beaucoup. Vous en brasse très fort. Salut Samira. On vous embrasse partout. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Un clin d'œil à Magali qui nous écoute et qui tweet. Alors, vous en avez des admirateurs et des admiratrices. Alain Rey, elle nous dit que nous recevons son idole. Alain Rey, vous êtes également l'idole de Laurent Baffie. Ah, Laurent totalement. Baffie, ça vous fait un point commun avec Magali qui nous écoute. Mais je ne pensais pas qu'un jour je rencontrerais Alain Rey, que je serais ami avec lui. Mais c'est vrai que ses livres m'ont accompagné pendant des décennies. C'est vrai que vous avez souvenance que ses livres vous aient accompagné. Bien sûr, le dictionnaire Le Grand Robert en deux volumes. Il vous a éduqué. Pour voir l'étymologie, pour voir les racines, c'est une somme, c'est la Bible. Qu'est-ce que ça vous a fait, justement, la première fois que vous avez rencontré Alain Rey? J'étais très fier, très impressionné. On a bien rigolé aussi. Et puis on se marre, il a beaucoup d'humour, Alain. Oui, c'est bien sûr. Un gros déconneur, donc je suis très fier de le connaître. Voilà, et ça se sent effectivement, et on le ressent aujourd'hui dans ce studio. Jean rougis d'aise. Mais vous pouvez, au contraire... Tu sais ce que ça veut dire? Jean rougis d'aise. Allez-y. Non. Ah bah si, allez-y l'un comme l'autre. Si vous rougissez d'aise. Non, ça ne se dit pas à 15h42 sur RTL. Non mais Laurent a le génie de faire prendre pour des obscénités des choses qui sont parfaitement correctes. Alors les 200 drôles d'expressions que l'on utilise tous les jours sans vraiment les connaître, c'est aux éditions. Donc le Robert avec la participation de Stéphane De Groot, il faut quand même le préciser à l'arrêt. De Groot, pas de Groot. C'est pas de l'anglais. De Groot, très bien. Alors mon fils Enzo justement l'autre jour m'a demandé la définition d'attire larigot. Il me dit ça vient d'où cette expression? Ah ben c'est parce qu'il sait plus ce que c'est qu'un larigot, et c'est assez normal. Je veux il y dire a les larigots rouges, personne... les larigots verts. Et non, justement pas. Il y a des larigots avec des trous et sans trous, parce que c'était un flutio, le larigot. C'est une petite flûte. Alors tirer le larigot, c'était à la fois boire un coup et jouer de la flûte. Parce qu'on dit aussi se tirer des flûtes. Et vous voyez, la qui flûte, a donné turlute par la suite. La flûte sert à tout. Et le verre de bon vin, en principe, est aussi quelque chose de remarquable. Vous remarquerez quand on dit siffler un verre. Et siffler, c'est aussi produire un son exactement comme avec la flûte. Donc attire larigot, c'est énormément. Parce que c'est par allusion à la boisson extrême et à un son aigu. Très bien, merci pour ces explications. Vous parliez des larigots verts, larigots rouges. Un tweet de Marsu, nous avons pris l'avion pour Tahiti, on nous a servi du cassoulet à bord et pourtant nous sommes arrivés à Papeete. Papeete, qui est donc la capitale de la Polynésie française. Alors, on ne comprend pas parce que c'est à ne pas. Donc vous voyez, ce n'est pas correct comme expression. À ne pas péter. En tout cas, c'est tenté. J'ai eu vent de ce calembour. Être la cheville ouvrière, ça vient d'où ça, Alain Rey?
Ah ben, la cheville ouvrière. Ouvrier veut dire operarius, c'est latin. Ça veut dire ce qui fait marcher quelque chose, ce qui opère. Et, non et, pas, et travail, c'est torture. La personne. Travail, c'était oui. torture. Enfin, tripalium. Ça se discute. Le tripalium, ça servait aussi à ferrer les chevaux. Ce n'est pas une torture, mais ça maintenir très, très fermé. Alors, bon, je referme la parenthèse du travail. J'ouvre celle de où on en est de la... Je ne sais pas quoi. qu'est-ce que c'était Alors, attendez, parce que moi-même, je suis passée à tirer à boulet rouge. Ah, vous voyez, ça va trop vite. Ça va me revenir. Pardon. Cheville ouvrière. Cheville ouvrière. Merci bon. Beaucoup de suivre, Laurent Baffi. Une cheville, ça sert à maintenir deux pièces de bois en menuiserie oui. hein, et en charpenterie, en charpente. Et ouvrier, c'est un adjectif disparu aujourd'hui. Il n'y a plus que le nom, et le nom désigne une personne qui travaille. C'était ce qui sert à maintenir droit. Donc, dans une charpente, la cheville ouvrière est celle qui tient ensemble deux pièces qui, si elles étaient séparées, feraient foutre par terre toute la construction. Donc, la cheville ouvrière, c'est l'élément central, c'est l'élément qui tient ensemble, c'est l'élément qui fait que la chose peut fonctionner. Et tirer à boulet rouge, c'est tout simplement une inflammation des testicules. Pourquoi rouge ? Parce que les boulets que l'on tirait avec les canons d'autrefois oui. étaient rougis au feu pour faire plus de dégâts. Si vous voulez, c'est la version assez cool d'ailleurs des bombes que Bachar el-Assad oui. envoie sur la gueule de ses concitoyens sous forme de barils remplis d'explosifs. Donc voilà, le boulet rouge mettait le feu au navire sur lequel on tirait. C'était surtout dans la marine que ça s'employait. Et tirer à boulet rouge sur un navire, c'était l'enflammer avec des boulets qui avaient été préalablement chauffés D'accord. jusqu'à être rouges. Voilà. Et alors juste One Chronic Show qui nous demande par tweet, pourquoi dit-on casser sa pipe? Ah ben ça, la pipe a été la métaphore pour la tête et pour la figure. Pas que. C'est, pas que, il y a d'autres pipes, bien sûr. Mais il y a les pipes qu'on fait et il y a les pipes qu'on a. C'est absolument, c'est complètement différent. Et ce sont les pipes qu'on a qui sont cassables. Donc casser la pipe, c'est casser la tête, c'est tuer. On se retrouve dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Moi, elle me fait toujours rire, c'était String qui chantait sur RTL. Moi, je la trouve plutôt mignonne, Laurent Baffi. Alors, vous êtes l'auteur du dictionnaire des noms propres, ou presque. Quelques-uns, avant de donner la parole... Quelques-unes. Pardon, une anagramme, c'est une vrai anagramme. En plus. Quelques-uns de noms propres, d'accord voilà. Que l'on trouve donc dans votre ouvrage, dont vous avez fait des anagrammes formidables. Vincent Pérez, c'est pincé ventre. Le commandant Cousteau. Tout commença dans l'eau. C'est génial quand même. Mais il y en a qui se démodent. Si vous prenez Nadine Morano, oui. son anagramme est mon nain adoré. Ça n'est plus d'actu. Eh bien, c'est plus d'actu. Voilà, ça, c'est fini. Claude François. Frais du caleçon. Léonard de Vinci. Créa le don divin. Vladimir Poutine. Vampire idiot nul. Tout est écrit. Alain Chabat. Habitat canal. Mais c'est quand même fou, parce que quand vous faites Alors, ces ça, anagrammes, ça m'a sidéré. Et que vous découvrez à quel point les anagrammes peuvent correspondre... à des réalités. Ouais. Alors c'est que parfois c'est tout à fait le contraire. Par exemple, Marion Cotillard, je n'ai pas osé. Clito mal arrondi. Un, je ne me permettrai pas de vérifier. Deux, elle n'est pas connue pour ça. Et, ça ne se fait pas. Et ce n'est pas très gentil pour elle. Alors qu'Alain Chabat, Habitat Canal, c'est troublant. Mais c'est fou, Léonard de Vinci, comme d'autres. Alors, on a également notre ami Julien Courbet, que l'on retrouve tous les matins sur l'antenne d'RTL. Oui, c'est très sexe. C'est-à-dire. Allez-y. Ah ben non, allez-y. Donc c'est pas moi qui l'ai fait ce dictionnaire. Allez-y. Je culbute noir. Ben, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Hein. Voilà. On a Georges Courteline. Tu gères nécrologie. Gérer un écologiste. On a Pierre de Coubertin. Ah oui, c'est pas mal non plus. Donc ça, je vais pas le dire. Vous pourrez acheter l'ouvrage de Laurent Baffi pour découvrir tout ça. Il en est un. On lui court après depuis quelques temps puisqu'il est en train de réagir en direct donc pendant cette émission. Et merci d'ailleurs de nous être fidèles. Simon, on avait très envie de vous parler. On a réussi à vous mettre la main dessus alors que vous nous envoyez des tweets. Bonjour Simon, bienvenue sur RTL. Bonjour Flavie, bonjour à tout le monde, merci. Bonjour. Merci de m'accueillir. Ah mais c'est un plaisir, donc c'est bien la preuve que quand on nous écoute, vous voyez, vous êtes les bienvenus à l'antenne parce que c'est vrai qu'on avait très très envie de vous entendre. Vous nous avez envoyé un tweet parce que vous, votre truc à vous, c'est d'essayer de trouver des contrepétries dans les chansons, dans les paroles des chansons françaises. Oui, exact. Mais c'est fou parce que vous nous avez cité Céline Dion et là tout à coup j'entends la chanson complètement différemment. Ah oui, quand j'en ai parlé à ma femme qui est elle fan de Céline Dion... Ça lui a pas beaucoup plu, forcément. Racontez-nous ce que vous avez découvert. Alors, il y a une chanson de Céline Dion dans laquelle elle chante « Et j'ai glissé sous le vent oui. ». Avec Garou.
Exactement. Oui. Et donc, si, donc phonétiquement, la contrepétrie est égée, vissée sous le. Je vous laisse trouver la suite. C'est fou ça. Ça s'appelle un piercing. J'ai vissé sous le gland. Non mais oui, c'est quand même incroyable. Vous l'avez, c'est en l'entendant, parce que moi je l'ai entendu 50 fois, même plus, hein, cette chanson, je les ai reçues sur mon plateau. Jamais je n'ai entendu cette contrepétrie. J'ai mon esprit qui est connecté en contrepétrie en permanence. C'est bien sûr, c'est une fréquence. C'est comme les jeux de mots, c'est une fréquence, mais c'est vrai. Sûr. Bien sûr. Et il est en mode contrepétrie, c'est ce qui est. Une autre. Par exemple, le touriste observait le bras du guide. Voilà. T'as trouvé le touriste observait le bras du guide. Ah, et c'est dans quelle chanson ça? C'est plus gentil. Alors ça, c'était pas dans une chanson, c'est un petit livre qu'on m'a offert. Oui. Parce que forcément, les seuls ouvrages que je lis sont ceux où je peux m'amuser avec, comme ça. C'est un petit livre tout simple qui s'appelle Contrepétrie. Pourquoi menacez-vous la marine? Alors, ce qui est super, c'est qu'en fait, vous nous expliquez qu'il y a des contrepétries maladroites qui ne sont pas voulues. C'est ça que vous avez réussi à percevoir, vous, Elles ne sont pas maladroites, elles sont virtuelles. Non, mais j'ai glissé sous le vent, d'accord. Eh oui, mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire que la langue, c'est le langage lui-même qui est farceur. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce que l'on dit. Donc le langage... On peut jouer avec, c'est ça qui est formidable. Je veux dire, il a tout à fait raison. Bravo pour cette initiative. Moi, jour, je me baladais sur les Champs-Élysées. Il y avait une immense affiche de cinéma qui disait La colline des bottes. C'était un western. Bon, quand je me le suis prononcé en faisant jouer les deux voyelles, ben voilà, ça donnait autre chose. Hein, et c'est bien la preuve que quand on cherche, on trouve. Quand on cherche, on trouve. Quand on cherche, on trouve. Il y a des gens qui ne sont pas là-dessus et qui n'ont pas cet esprit-là. Mais quand on cherche, on trouve plein de choses. Que ce soit les anagrammes, les jeux de mots, les contrepets, il faut chercher. Oui, c'est la boîte à malice dont je parle. C'en est rempli, quoi, le langage. Souvent, l'écrit peut aider, hein, parce que vous disiez, c'est difficile pour les chansons. Mais quand on visualise et que la chanson est écrite, on va en trouver beaucoup plus facilement qu'en l'écoutant, ça c'est sûr. Ça veut dire, Simon, que vous portez un regard différent sur le monde qui vous entoure. Vous êtes toujours en train de chercher. Les affiches de pub, les noms sur les camions, parfois. Oui. Je suis chauffeur polo, donc je suis toute la journée sur la route. Oui. J'en trouve pas mal. Ouais, ouais. En fait, moi, quand j'étais petite, je regardais les c'est ce que vous regardiez quand vous étiez petite. Pas de les détails. Plaques d'immatriculation quand j'étais sur la route, parce que ça faisait passer le temps. En fait, vous cherchez à égayer aussi vos routes et votre quotidien. Ben oui, sinon ce serait bien monotone. Et vous recueillez, vous faites un recueil de toutes ces contrepétries que vous pouvez trouver autour de vous? Le soir, quand je m'en souviens, oui. Oui. Donc là, par contre, j'ai pas mon petit carnet avec qui est dans mon camion. Donc quand j'arrive à m'en souvenir, oui. Mais des fois, bon, j'ai l'esprit plus souvent pris par le travail. Donc j'ai pas tout le temps l'occasion. Mais l'occasion se représente assez régulièrement. Qu'est-ce que vous trimballez? Alors, je suis dans le recyclage. Non, j'ai dit qu'est-ce que vous trimballez? Mais vous êtes dans le recyclage, c'est bien ça. Oui, dans le recyclage de papier. Très bien. Le support idéal. Ce qui nous permet d'écrire après, avec du papier recyclé, bravo. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer aujourd'hui, puisque vous êtes intervenu sur cette antenne, Simon, un super CD, c'est donc la journée spéciale CIL sur RTL. On va vous envoyer son nouvel album, Seven. Comme ça, vous pourrez nous écouter dans votre bon camion. On peut lui offrir nos livres aussi. Et puis, on va vous envoyer donc l'ouvrage de Laurent Baffy et l'ouvrage d'Alain Larré, parce que je suis persuadée qu'effectivement, ça va parfaire votre connaissance et votre envie, en plus, de jouer avec la langue française. Et je suis fan de Laurent Baffy. Quelle idée. Bon, évidemment, j'ai des... Attends, je suis fan de Laurent. Cherche pas. Et donc, rapidement, Simon. Oui, alors, Laurent Baffy, je l'adore. J'espère pouvoir le rencontrer un jour aussi en métropole lilloise. Oui. Et puis, heureusement qu'il est aux grosses têtes avec Pierre Bénichoux. Notre tournée... Notre tournée passe par Lille, donc je me ferai un plaisir de te mettre deux places et de te payer une bière après, ce qui n'est pas une contrepétrie, ce qui est juste une gentillesse. Parce qu'il ne demande pas la même chose aux mêmes personnes. Hein. En tout cas, vous l'avez compris, on va garder vos coordonnées, Simon, et puis, et puis Laurent Baffy pourra vous appeler et vous organisera des entrées. Je vous embrasse, Simon. Tais-toi, Laurent. A tout de suite sur RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL.
Ça passe vite avec vous deux et puis on est déjà en retard, Laurent Baffy, donc je fais très vite le dictionnaire des noms propres ou presque, c'est chez Kérou. Je le conseille à tous ceux qui nous écoutent. Merci Laurent d'avoir accepté notre invitation. Je vous embrasse. Alain Rey, merci beaucoup. 200 drôles d'expressions que l'on utilise tous les jours sans vraiment les connaître aux éditions Le Robert. Merci Alain Rey de nous avoir éclairé de vos connaissances. Et nous, on se retrouve demain pour parler d'un sujet très sérieux. Demain, comment nos proches disparus continuent-ils d'exister? Voilà, ce sera à 15h et je suis persuadée que vous aurez beaucoup de choses à partager avec nous. 3210, les réseaux sociaux. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et ses fameuses grosses têtes. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain.